Alors, nous sommes aujourd'hui, donc vendredi, on est le vendredi, donc 28 Iyar, et nous sommes arrivés Daf Ayin Zayin de Shabbat Ayin Zayin. On était à la 13e ligne. On avait parlé hier donc du Shi'ur, combien on peut, donc pour être Hayav, faire sortir du vin, donc de Shotara Yahid à Shotara Bim, et on a donné donc Revi'it. On a dit donc c'est quand on fait sortir une quantité, que quand on va la couper trois fois, comme il faisait Rava, ça faisait Revi'it. Via maintenant la Gemara d'Itan, Yavesh, Bekazayt, Devre Benatan. Si maintenant le vin il est gelé, donc il est plus liquide, alors le volume c'est Kazayt. Selon Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan qui pense que c'est quand on a Revi'it liquide, sec, gelé, c'est ça. C'est ça, c'est gelé quoi. C'est du vin sec si tu veux, mais c'est en solide quoi. Voilà, c'est du vin solide, c'est plus liquide. Alors donc, Rabbi Nathan, il dit donc Revi'it en liquide, quand ça sèche, ça devient solide, et eh bien ça devient. Par exemple, on fait un glaçon de vin, et eh bien ça rétrécit, ça devient Kazaït, un volume de 30 cc. Amar Rav Yosef, il dit Rav Yosef. Rabbi Nathan, donc celui qui vient de dire cette idée maintenant, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Amru, Davar Echad, ainsi que Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda, ils ont dit donc la même idée. Alors, Rabbi Nathan, Hadi Amran, donc c'est ce qu'on vient de dire maintenant à propos de Rabbi Nathan, comme quoi le Revi'it de vin en liquide, ça vaut Kazet en dur, en solide. Maintenant, c'est quoi Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda? Détanya, il ramène ici une bretta. Il dit, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda Omer, Shesha Devarim, Mekulli Bet Shamay ou Mechomri Bet Hillel. Il y a six choses que Bet Hillel ils sont Mahmir et Bet Shamay ils sont Mechil, alors qu'habituellement c'est Bet Shamay qui sont Mahmir et Bet Hillel ils sont Mechil. Et quand il dit six choses ici, c'est pas dans tous les domaines, c'est Rashi ramène ici juste à un moment. Il a témoigné, Rabbi Yehuda, cela, mais il y a d'autres choses dans lesquelles on a aussi Bet Shammai et son Merkel et Bet Hillel Mahmir. C'est quoi? C'est une des choses. C'est Dam Nevela. Alors nous savons que nous, quand un homme il touche le cadavre d'un animal, Nevela, donc n'importe quel animal mort, eh bien, il y a transmission d'impureté. Si maintenant quelqu'un il touche Dam Nevela, le sang de Nevela, Bet Shammai et Metaharim. Bet Shammai disent ce n'est pas la même chose que la viande. Le sang donc, de Nevela, il transmet pas l'impureté. Maintenant, Bet Hillel, Metamein. Bet Hillel, eux, ils disent c'est tamé. Il vient Amar Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Av, kshetemeu Bet Hillel, lotemeu. Ella bedam sheshbo rivayet, ho elu yachon lakadosh Amar al-Kezayet. Donc, il vient la Gemara dit. Justement, Rabbi aussi, comme on a dit tout à l'heure, il a la même idée que Rabbi Nathan. Il a dit, quand les Bet Hillel ils ont dit que même le sang de Nevela, ça transmet l'impureté, il faut qu'il y ait, selon Bet Hillel donc, il faut qu'il y ait dans le sang un volume en liquide qui est Revi'it, puisque nous on sait que dans la transmission d'impureté ne se fait qu'à partir du volume de Kazaït, viande, et selon lui, le Revi'it en liquide, donc de sang, eh bien, quand ça durcit, ça coagule, ça devient Kezait. Donc, tu vois la même idée que Rabbi Nathan. Amar Abaye, via Abaye, et donc il n'est pas d'accord avec cet enseignement de Rabbi Yosef, donc comme quoi ils disent la même chose. Il dit, Abaye dit, dis-le malin, peut-être que non. Pourquoi? Il dit, Adkanu Amar Rabbi Nathan Hacha, Deva'i et la Bayan de Kalish. Abaye Bedam de Samir Kezait, Abaye. Il dit comme ça, peut-être que ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que ici, chez nous, dans le vin, Rabbi Nathan, effectivement, il a dit que pour avoir Kazayit, il faut des verres de vin. Parce que le vin, il est plus liquide par rapport au sang. Il est beaucoup plus. Il est plus moins fluide, il est plus épais. Le sang, il est plus épais que le vin. Donc, c'est pour ça, pour avoir le Kazayit en vin. Eh bien, il faut partir donc de l'évêque. Aval bedam de Samir.
mais le sang, comme il est plus, donc plus épais, par rapport au vin qui est plus fluide, alors peut-être que là, Kézaït, peut-être que pour Kézaït, il n'y a pas besoin de Révéit, il faut partir de moins que cela. Et là, mais, ou encore dans l'autre sens, donc dans l'autre sens, il lui dit peut-être que Rabbi aussi, quand il a dit que avec Bethilel, que le sang, il faut qu'il y ait kazet, et donc on part de Révéit, d'origine liquide, pour que ça fasse kazet solide, seulement dans le sang parce qu'il est épais. Mais le yain, le vin qui est beaucoup plus fluide, des khalij, peut-être que kazet avait été Révéit. C'est-à-dire quand, pour obtenir kazet, il faut beaucoup plus que Révéit, donc de départ de liquide. Ce qui fait que quand tu fais sortir parhot mekazet, on est déjà hayab, parce que parhot mekazet, ça fait déjà, donc, Révéit de vin. Donc, Abaye dit, c'est pas évident que ce soit la même chose. Maintenant, on passe à l'autre notion de la Mishnah. Quand on a dit halav, kede gmi'a, combien de volume on fait sortir de vin, c'est de quoi gmi'a, c'est-à-dire donc on avale d'un trait. Viens la gmi'a poser une question. Eh bien, allez-vous, kede gmi'a ou kede gmi'a? Maintenant, la gmi'a va parler un petit peu de, on va dire, plutôt de prononciation. Ce n'est pas une question de halakha, c'est juste comment on lit. Est-ce que quand on a dit gmi'a avec aïn ou gmi'a avec alef? Amar Rav Nachman Bar Ishaq. Il vient Rav Nachman Bar Ishaq, il répond, il dit c'est facile, il y a un pasouk dans la Torah. Quand Eliezer, il a demandé à Rivka, quand il est venu donc dans le pays pour chercher une femme à Ishaq, il lui a dit harmi enina me'at ma'im mekader. Donc donne-moi à boire un peu de ta cruche. Il y a marqué Gmi'ene avec Amiine avec Aleph. Donc réponse Gmi'a, c'est avec Aleph, c'est pas avec Aïn. Et donc là, le Malagmal va ramener pas mal de questions dans ce sens un petit peu dans niveau donc vocabulaire et prononciation. Et ben allez où Malagmal pose encore une autre question. Est-ce que les noyaux des fruits ou autres, on les appelle Gar'inin avec Aleph? Ou gara'inin avec aïn. Amad alava bar'oula. Il vient à Rava bar'oula, il donne une réponse. Il dit, c'est marqué dans le pasuk venigra'a avec aïn. Quand il y a un gara'in à noyau, ça veut dire qu'on le diminue, on l'enlève. Donc, c'est le noyau, il s'appelle gara'in avec aïn. Parce que venigra'a, ça veut dire il diminue. Autre question. Eh bien, il y a omemot ou omemot. À propos de on parlait des braises. Est-ce que on disait à Kippour le Kohen Gadol, il prenait les braises qui c'est un petit peu encore avec du feu pour mettre des encens, mélanger ensemble. Il y a marqué là-bas Gehalim Omemot ou Omemot avec un Ayin ou avec un Aleph. Amar Avishav Balavdimi Arazim Lo Amamu Began Elohim. Il lui a dit, voilà, il y a un pasouk qui dit, les cèdres, ils n'ont pas amamouh, donc ils ont atténué le feu, donc avec aïn, il faut dire, donc il a dit, halim, omemot. Encore, et bien, il y a le ammetzintnan, ou me ammetzintnan. L'Amma a dit, là aussi, on a dit, dans Shabbat, on n'a pas le droit de fermer les yeux d'un mort le jour du Shabbat. Là-bas, là aussi, il y a marqué « me'am médecine ». Alors, il lui dit, est-ce que c'est « me'am médecine » avec « aleph » ou « me'am médecine » avec « aïn » ?« Amarabé hayabalaba amarabé hanan » Il vient, il lui répond, il dit, voilà, on a un pasuk dans lequel c'est marqué « ve'ot sem'ayna omer ot bera » Il ferme ses yeux de ne pas voir le mal, il y a marqué avec « aïn », donc c'est « me'am médecine » avec « aïn ». C'est absurde de faire dans les yeux, non ? Shabbat. Et oui, parce qu'on fait bouger. C'est absurde de faire bouger un mort Shabbat. Tano Rabbanan Hachamim Ansem. Hamotsi Halav Shel Behema Kedegme'a. Il dit, celui qui fait sortir le lait d'un animal, c'est combien le shiur? Eh bien, Kedegme'a, comme on a dit, donc, de quoi un homme il avale d'un trait. Maintenant, Halav Shel Isha. Le shiur de celui qui fait sortir le lait d'une femme. Ou encore, Loven Shel Betsa.
ou bien le blanc de l'œuf, c'est combien? Kide liten bim shifash el kilor. C'est de quoi mettre pour faire un petit peu le colir. Kilor, c'est comme le produit qui s'appelle colir qu'on met dans les yeux. Ben, c'est le volume qu'il faut pour me faire ça, préparer ce remède pour les yeux. Et kilor, kide la shobemaim. Et combien c'est le kilor? C'est de quoi le mélanger avec de l'eau pour obtenir donc justement ce colir dans les yeux. Bah, il a bâché, alors Rabashi pose une question, est-ce que Kede Shefa ou Kede Ahiza fait Shefa? Et est-ce que c'est seulement de quoi mélanger avec ce produit pour faire le colir ou même après ce qui reste dans les doigts? Parce que quand on mélange avec les mains, donc ça va, on va avoir dans les doigts aussi. Alors le DT, on n'a pas répondu. Après, on a dit des vaches qui aident les ténes à la catite. On a dit, on n'a pas donc le volume de miel qu'on n'a pas le droit de sortir Shabbat. C'est de quoi mettre sur une plaie. À l'époque, c'est comme ça qu'ils faisaient. Quand il y avait un abcès, ils mettaient du miel dessus, ils faisaient un pansement. Alors, la gmaraditana, qui délitaine alpikatit. C'est de quoi mettre sur alpikatit, c'est-à-dire toute la plaie. Le miel, donc sur toute la surface du plaie. Alors, ba'ira bashir alkatit, apuma dechola katit, dolima ammoucha kama dechatit. Là, pour que vous donnez des là, techo. Justement, Rabashi dit, est-ce que quand on dit al-katit, est-ce que seulement, est-ce que apuma de kolakatit, ça veut dire sur toute la superficie de l'abcès, on enduit avec du miel, ou bien dilma amourcha, ou bien juste sur la pointe de l'abcès, et seulement, et donc pas autour de l'abcès aussi, il a dit, donc tekola aussi, on ne sait pas. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi. Il a dit à Rabbi Yehuda en nom de Rabbi Kulmash, Barak, Kadosh Baruch Hu, Be'olamo, Lo Bara Davar Echad Levatala. Il dit tout ce qu'Hachem a créé dans son monde, il n'a rien créé donc qui ne soit inutile. Tout est utile dans le monde. Et il donne ici des exemples. Bara Shabelul, la Katit. Il a créé le, ce qu'on appelle Shabelul, c'est la limace. C'est pour justement faire. Mettre en tant que pansement sur une plaie. Barasvouf, Hachem a créé la mouche. Pourquoi? La mouche, c'est un remède, l'etzira. C'est pour la piqûre d'abeille. Celui qui a été piqué par une abeille, il prend, il écrase une mouche, il la met dessus et ça guérit. Yatouche, le moustique, eh bien, c'est un remède, l'enahash, pour une morsure de serpent, on fait la même chose. On écrase un moustique et on le met là où il y a la morsure de serpent et sa guérie. Venahash la hafafit. Le serpent ici, il est bon pour celui qui a été atteint d'un certain ulcère. On lui met comme ça du serpent dessus, donc on écrase certainement le serpent. Eh bien, on lui met sur l'ulcère. Usmamit la akrav. Et la toile, la toile d'araignée. C'est pour les piqûres de scorpions. Là aussi, donc, celui qui a été piqué par un scorpion, il peut mettre cela et il guérit. Alors, la Gemara a dit que quand on a parlé dans le premier cas, que comme quoi la limace c'est bon pour les pansements des plaies, comment on fait? La Gemara a dit, alors il répond, on amène à une limace noire et une autre blanche. Après on les fait cuire, donc on les fait bouillir dans l'eau. Et après on les fait enduire sur la plaie, et bah, donc ça va guérir. Tano Rabbanan, Hachamim Ansen. Hamisha Emoten Emat Hanash Al Gibor. Ils disent Hachamim, il y a cinq peurs, et c'est le fort qui a peur du plus faible. D'habitude, un faible, il a peur du plus fort. Et là, il y a cinq cas où ce sont les forts qui ont peur du plus faible que eux. C'est quoi? Il dit, « Emat mafgia al ari. » Il dit, il y a une bête sauvage qui s'appelle mafgia. Elle a, quand elle fait le bruit, c'est tellement fort que le lion, il a peur d'elle parce qu'il croit que c'est, je sais pas qui c'est qui va venir l'attaquer, tellement il a peur de ça. Alors que c'est une petite bête de rien du tout. Le deuxième cas, Emat yatouche al lapid. Il dit la peur de l'éléphant contre le moustique. Pourquoi? Parce que si le moustique il rentre dans sa trompe,
il n'arrive pas à le sortir. Donc l'éléphant, hein, géant, il a peur du moustique Tumulus. Emat simamit ala aglav. Il dit, la peur de la toile d'araignée, enfin le scorpion, il a peur de l'araignée. Pourquoi? Il dit là aussi, parce que si l'araignée elle rentre dans les oreilles du scorpion, il ne saura pas la faire sortir. Il ne pourra pas la faire sortir. Quatrième cas, Emat sinunit ala necher. L'aigle, comme on sait, c'est une très grande volaille. Eh bien, il a peur de ce qu'on appelle sinunit. C'est une toute petite volaille qui vient se mettre entre ses ailes et qui l'empêche après de étendre l'aile pour voler. Enfin, Emat kilbit al leviathan. Il dit là aussi, c'est un le leviathan, donc le gros poisson qui a été créé. Eh bien, il a une peur donc de kilbit. C'est une toute petite reptile qui peut lui rentrer dans les oreilles. Là aussi, il peut pas le faire sortir. Il a dit, on apprend cette notion comme quoi ça existe que des forts, ils ont peur des petits. Eh bien, tout simplement, parce qu'il dit, Hamavlir Shod Al-Az. C'est celui qui fait donc mettre le petit sur le fort. Eh bien, Hachem, donc ça existe cette notion que les forts, ils ont peur du faible. Alors, là, moi, elle raconte encore, la Bizera, Ashkar, les Raviouda, Dewaka, Petradi, Vihamo. Rabbi Zera, il a trouvé Rabbi Yehuda, il était devant la porte de la maison de ses beaux-parents, de son beau-père donc. Il a vu qu'il était heureux comme ça, joyeux. Et toutes les questions qu'il peut poser, il va lui répondre. Alors, il a profité pour lui poser quelques questions. Première question, Amale, Maetama Aizim Mesgan Bedesha Behadat Emre. Il dit, pourquoi dans un troupeau, ce sont les chèvres qui sont en premier et les agneaux derrière? Alors Hamad, il lui a répondu, il lui a dit, il dit, c'est comme la création du monde. Au début, il y avait d'obscurité de partout et après, Hachem a créé la lumière. Or, nous, on sait que les chèvres, en général, elles sont noires et les moutons, ils sont plutôt blancs. Donc d'abord le noir et après le blanc derrière. Deuxième question, il lui dit, pourquoi les chèvres, elles ont une toute petite queue derrière, alors que les moutons, ils ont une grosse queue qui couvre derrière eux? Alors il leur répond, il lui a dit, c'est simple, ceux qui nous couvrent à nous, ils sont couverts, et ceux qui ne nous couvrent pas, ils sont découverts. Ça veut dire, comment les chevreaux, les chèvres, ils n'ont pas de laine. Donc on ne fait pas des habits avec les chèvres. Mais les agneaux, comme ils ont de la laine, et on fait avec des habits qui servent à nous couvrir à nous, alors Hachem les a couverts eux aussi. Autre question. Il lui a dit, pourquoi le chameau, il a une toute petite queue? Il lui a répondu, Rabbi Yehuda, Mishum Dehachal Kise. Il dit parce que on a peur que il marche dans les champs, les ronces elles peuvent entremener dans sa queue, il ne peut pas après. Autre question. Pourquoi alors il lui a dit le taureau, donc le bœuf, il a une longue queue? Il dit parce que lui, il vit dans les étangs et il a besoin de sa queue pour faire partie, fuir les moustiques et les mouches. Donc c'est pour ça que Hachem lui a fait une grande queue. Il lui a dit, autre question, pourquoi les sauterelles, elles ont les antennes qui sont très souples, elles ne sont pas dures? Alors il lui a dit, parce que Mishum Nidaïla Behelfe, parce qu'ils habitent dans l'endroit où il y a des herbes, des ronces. Et si l'antenne elle est dure, elle va se casser. Et si elle se casse, ils deviennent aveugles. Alors Hachem il a fait en sorte qu'elle soit souple, comme ça elle peut tourner dans tous les sens. D'Amar Shmuel, comme il a dit Shmuel, Haïman de Baïd de l'Ismir, comme ça, le Sérvénogané.
Shmuel a dit, celui qui veut aveugler une sauterelle, ben, il n'a qu'à lui enlever ses cornes. Voilà, comme ça, elle devient aveugle. Autre question lui a posée. Il dit, pourquoi les coqs et les poules, ils ont les cils. Oui, la paupière d'en bas, elle recouvre la paupière d'en haut. Alors que nous, c'est le contraire. C'est les cils d'en haut qui recouvrent les paupières d'en bas. Alors pourquoi dans ce sens? Il a dit parce que des dailles les adapter. Parce que comme les poulets, ils vivent sur des poutres, ils montent sur des poutres et sur du bois. Et c'est haut. Or, et si ils sont, il y a la fumée qui monte, et si c'est comme nous que la paupière d'en haut, elle recouvre celle d'en bas, donc la fumée elle va rentrer dans leurs yeux. Alors Hachem il fait en sorte que la paupière d'en bas, elle remonte sur celle d'en haut, et du coup la fumée elle rentre pas dans l'œil. Maintenant, il lui a dit, alors là c'était des questions. Sur des idées comme ça. Maintenant, il y a des questions sur des mots en hébreu ou en araméen. Hein? Alors, chaque mot, pourquoi il se dit de cette façon? Il dit comme ça. Nous, on sait qu'en araméen, une porte, on appelle ça dasha. Pourquoi dasha? Il dit, ça veut dire dersham. C'est-à-dire, c'est par la porte qu'on entre, c'est la voie d'entrée. La même chose, une marche d'escalier, on appelle dadga. Alors, pourquoi? Il dit parce que derer gag, c'est derer gag, ça te permet de monter, puisque une marche d'escalier, c'est pour monter. Un autre mot, matroulita, c'est une sauce avec laquelle on mange. Pourquoi on l'appelle matroulita? Il dit parce que mata est da. Parce que c'est une sauce, c'est fait quoi? C'est quand on mange avec, on ne trempe le pain. Et on dit quand est-ce que ça va se terminer? Parce que c'est pas quelque chose comme le repas caqué, mais il finit son repas. La sauce, ça reste encore. Alors, une maison, on appelle bêta, bait, en araméen. Bêta, c'est quoi bêta? Viens et reste dedans. C'est la composition du mot, donc viens et t'asseoir dedans. Donc, c'est une habitation. Birta, c'est birta. Birta, en général, c'est une petite, toute petite maison des pauvres là-bas. Elle dit bi'arta, c'est là où il y a, c'est serré quoi. Koufta, c'est confétive. C'est quoi koufta? C'est quand on a par exemple une sorte de petit bambou comme ça, on les met, on s'assoit dessus. À l'époque, ils utilisaient même un tas de blé, un truc comme ça, et ils s'assoyaient dessus. Elle dit voilà, couf, mais pose, assieds-toi dessus. Comment on appelle les briques? Les briques, c'est-à-dire donc de construction. C'est l'événime en hébreu. Et on a remis à l'évené. Pourquoi on appelle l'évené? C'est l'évené-véné. Parce qu'à l'époque, les maisons, c'était tout dans les réseaux, avec des roseaux, des palmiers, tout ça. Mais quand tu mets en briques, c'est quelque chose qui va durer pour tes enfants, petits-enfants et tout ça. Hotsa, les ronces, pourquoi on les appelle hotsa? Il dit hatitsa, parce que ça fait une hatitsa. Hatsva, les cruches avec lesquelles on remplit de l'eau. Pourquoi on l'appelle Hatsva? Parce que Hotsev Maimena. Parce que justement, on puise de l'eau à partir donc du fleuve. Kouza, c'est quand on a un petit récipient, il s'appelle Kouza. Pourquoi tu dis Kouza? Il dit parce que c'est casé, c'est tellement petit. Il dit c'est quoi ça? Tout petit. Shotita, le hadas avec lequel on dansait devant les mariés, on appelle Shotita. Il dit pourquoi Shotita? Parce que c'est fou quoi. On fait le fou devant les mariés pour les faire réjouir. Autre chose, Meshikhla, comme un récipient pour se laver. Voilà, un récipient pour se laver. Pourquoi on appelle Meshikhla? Mashikula, on se lave avec tout. Meshikhla, Meshikhla. Ça veut dire, là c'est un tout petit, ça finit vite quand on le remplit. Après, Asita, le mortier, on appelle Asita. Pourquoi Asita? Hasirta. Parce que comme le mortier, il est comme ça, donc on a enlevé tout ce qu'il y a à l'intérieur, il manque.
Et le pilon, on l'appelle Bourna. Bourna, Boveakenna. C'est avec ça qu'on frappe. Les Voucha, comment on appelle un habit? Les Voucha, pourquoi les Voucha? L'eau Boucha, quand on est habillé, on n'a pas honte, on est couvert. Glima, et quand on met la tunique, Glima c'est la tunique qu'on met sur le corps même. Ça veut dire que ça il pousse la forme de. Il n'y a pas des manches et des trucs, c'est juste une sorte de djellaba, quoi. Alors, Goulta, un manteau, c'est quoi Goulta? Galévétif. Il dit, ben, quand on veut s'asseoir, on le enlève, comme quelqu'un il veut s'asseoir, il enlève la veste pour ne pas s'asseoir sur le manteau, quoi. Le lit, on l'appelle Pouria. Pourquoi Pouria? Je sais pas, d'Inveravin, c'est là-bas qu'on se multiplie. Aléha donc. Bozinka. Le Bozinka, c'est un puits qui est sec, il n'y a pas d'eau. Pourquoi on l'appelle Bozinka? Bozé, naki. Parce que ça veut dire que c'est un trou qui est propre, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Soudra, c'est quoi Soudra? C'est l'écharpe. Il dit, ça c'est l'écharpe des Hachamim, on l'appelle Sod Hashem Lireav. C'est le secret d'Hachem pour ceux qui le craignent. Sod Lireav, c'est la composition des mots. Apadna, Apithadin. Il dit, c'est quoi Apadna? Cette porte-là, c'est les portes des palais des rois. On les appelle Apadna. Ça veut dire tout le monde vient ici pour chez le roi. Donc voilà, on a fini avec un peu toutes ces histoires entre Rabbi Zira et Rabbi Uda. Il lui a expliqué tout ça. Et Tano Rabbanan Hachamim enseigne maintenant. Ils disent Hachamim Shlosha, Kozman Shemazkinin Mosefin Gvura. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, le fort et le faible, il dit il y a trois. Plus ils vieillissent et plus ils deviennent forts. C'est qui Velohin? C'est qui? Dag, les poissons. Venahash et les serpents. Vehazir et le cochon. Ces trois-là, plus ils vieillissent et plus ils deviennent solides. Hachamim, ils font un remez. Ils disent, ce sont les trois animaux qui, pour nous montrer, regardez, le poisson, il ne vit que dans l'eau. Il n'a pas de nourriture. Alors nous, on peut dire, puisqu'il ne mange rien, il va mourir vite. En vérité, non. Le serpent, qu'est-ce qu'il mange? C'est que du sable. Là aussi, on peut dire, plus il vieillit, plus il ne se nourrit pas. Et le cochon aussi, qu'est-ce qu'il mange? Il mange des saletés. Alors nous, on croit que quand quelqu'un ne mange pas bien, il va donc dépérir. Et donc tu vois bien qu'en fait, c'est Hachem qui décide. Ben, nous, on croit toujours, on veut manger mieux, faire mieux pour être en bonne santé. La bonne santé, c'est chez Hachem, c'est pas chez nous. Donc, on a dit dans la Mishnah, Hachem en kede la sour evad katan. Alors, le volume d'huile, donc on n'a pas le droit de faire sortir Shabbat, sinon on est hayav, c'est quoi? C'est de quoi enduire un petit membre. C'est là où l'Agmara dit, Amre devi Rabbi Yannai, on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Yannai, Shemen kede la sour evad katan, shel katan ben yomo. Un petit membre, Rabbi Yannai dit comme ça, c'est le oindre un petit membre d'un enfant de un jour, un bébé qui vient de naître. Donc ça veut dire c'est vraiment petit. Alors l'agma a dit, mettez-vous. L'agma objecte. Il dit, pourtant il y a une breta qui dit, Shemen kede la sour vekatan. Vekatan ben yomo. Il y a marqué de l'huile, de quoi oindre un membre, donc un petit membre, et il y a marqué, et un enfant né d'un jour. Alors l'agma a dit, maï. Là où Evel Khatan dit Gadol, Vegadol, Shekhatan ben Yomo, n'est-ce pas qu'on veut dire par là le petit membre d'un adulte ou bien un bébé d'un jour? Mais dans ce cas-là, tu prends un grand membre et pas un petit. N'est-ce pas que c'est comme ça? Et donc ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Yannai. Amne l'art de Vela Bainai. Donc Rabbi Yannai te répond dans ses cheveux, il dit Haramim. Non, là, Achikam, Shemen Kedel Asur, Evel Khatan, Shekhatan ben Yomo. Quand il y a marqué un petit membre et un bébé, c'est pas « et », c'est le petit membre d'un bébé d'un jour. Donc, comme il a dit lui. Alors, on a dit « lima getanae », est-ce que, alors on va dire, c'est une mahloket, donc des tanaïm. Quoi? C'est marqué « shemen kidasur vatkatanurata minimoti vatabishamon aza ». Le dabishamon aza, il dit comme ça, c'est de l'huile, de quoi oindre le petit membre et donc un bébé d'un jour. Alors que Rabbi Nathan omek de la sour et votre katan. Rabbi Nathan lui dit seulement de quoi vendre un petit membre.
Alors là, on a dit, mais là, on a dit, il n'y a pas que c'est là la mahlok est entre eux. Dès Rabbi Shimon, ça va être Qatan, Shir Qatan. Quand Rabbi Shimon, il a dit, le petit membre d'un, et un petit, ça veut dire, il veut dire un petit membre d'un bébé d'un jour. Alors que Rabbi Nathan, quand il a dit un petit membre seulement, il voulait dire un petit membre d'un adulte ou un grand membre d'un petit enfant d'un jour. Mais, Abal, Evad Qatan, Shir Qatan, voilà, mais pas un petit membre d'un petit bébé. Donc tu vois, mais c'est une mahlok dans le Tanaïm ou Rabbi Shimon, Azar et Rabbi Nathan. Via la Gmal repousse à Dina. Là, des roulés Alma, Evel Katan, des Katan, Beniumo, là. Tout le monde est d'accord que Evel Katan, d'un Katan, c'est un petit membre d'un bébé d'un jour. Il n'y a pas de péché, c'est pas Hayab. Vélit a dit Rabbi Anna. Et c'est pas comme il a dit Rabbi Anna. Maintenant, c'est quoi la mahlok alors, Véacha, Véacha, Mévangé, c'est quoi la mahlok de Rabbi Nathan et Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, Manaza, Sabbat, Evel Katan, des Gadol, Evel Gadol, des Katan, Beniumo, qui a donné Nénou. Donc Rabbi Shimon Azan, lui, il dit comme ça, un petit membre d'un adulte, ou un grand membre d'un enfant, donc d'un jour, d'un bébé d'un jour, c'est exactement la même chose. Alors que Vela Benatan Sabbat, Evel Katan de Gadol, In, Evel Katan de Katan Beniumola. Alors que Rabbi Nathan, lui, il te dirait, non, seulement un petit membre d'un adulte. C'est ça le volume pour moindre, et donc c'est à source de faire sortir ce volume de la Shabbat. Mais un grand membre d'un petit bébé, il n'est pas d'accord. Non, donc c'est pas ça. Alors finalement, on m'a dit, alors c'est quoi la conclusion? Tachema. La Gemara a dit, on a trouvé une breta, d'Itania, la Bishamon Azadomer, Shemen, qui est de la souris, le Katan, le Katan, Beniomo. Là, il a dit clairement, c'est quoi le volume d'huile? C'est de quoi vendre un petit membre d'un bébé d'un jour. Donc c'est vraiment tout petit. Voilà.